شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Amma ba'du, bienvenue à toutes et à tous sur Jannah TV, la chaîne pour les musulmans, par les musulmans. Et bienvenue à vous pour cette série de vidéos spéciales Ramadan. Notre vidéo d'aujourd'hui a pour thème Conseil à la femme musulmane pendant le mois de Ramadan. Sachez que Allah subhanahu wa a légiféré cette religion pour les croyants comme pour les croyantes. Il est dit dans le Coran, c'est-à-dire, quiconque, mâle ou femelle, homme et femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Dans ce verset, Allah wa a donc inventé les mérites de tous ceux qui œuvrent hommes et femmes. Dans un autre verset, Allah wa nous dit « min min ba'd » Leur Seigneur les a alors exaucés en disant en vérité « Je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme » car vous êtes les uns des autres. Donc, j'ai quelques conseils à donner à ma sœur en islam. Le premier de ces conseils est que tu fasses en sorte que ce mois soit un mois du bien et pour le bien. Que ce soit un mois de repentir, que ce soit un mois de retour vers Allah subhanahu wa Que ce mois de Ramadan soit un mois où ton registre sera rempli de bonnes actions, insha'Allah. Et surtout, prends garde à l'insouciance pendant ce mois béni. Prends garde à la distraction qui mène malheureusement vers une baisse de ta part de récompense, qui mène vers une baisse de ta part d'œuvres pieuses et qui mène vers une baisse de ta part de lecture du Coran. Une baisse également de ta part de prière du Tarawih et une baisse de prière nocturne, une baisse d'aumône, une baisse de tout acte. Te rapprochant de ton Seigneur pendant ce mois béni. Et tout cela, malheureusement, par insouciance. Donc, chère sœur, ne laisse pas tes occupations quotidiennes, les activités de ton foyer, te distraire de l'évocation d'Allah et de son obéissance pendant le mois de Ramadan. Il est vrai, certes, que la préservation du foyer et être au service de son mari et être au service de ses enfants est en soi une obéissance et une adoration. On est tous d'accord sur cela. Message que les autres adorations doivent être augmentées, surtout pendant le mois de Ramadan. Tu dois faire du zikr, tu dois faire une sadaqa, tu dois lire el Qur'an el Karim, tu dois visiter tes proches comme le fait l'homme pendant ce mois. Donc mon conseil pour ma sœur est qu'il faut se réconcilier avec Allah pendant ce mois béni. Le Ramadan est le mois de la concurrence dans le bien. Le Ramadan est le mois de la concurrence entre les musulmans et les musulmanes. La femme concurrence pendant ce mois son mari dans la piété et les œuvres. La sœur concurrence son frère dans les mêmes œuvres. Qui parmi eux aura réalisé le plus d'actes La femme essaye de surpasser son mari. La sœur essaye de surpasser ses frères. Qui finira parmi eux le Quran en premier Qui lira le plus de Quran pendant ce mois béni Qui fera le plus de Sadaqah pendant ce mois privilégié Qui validera le plus de prière de taraweeh, qui se lèvera le plus pour prier la nuit. Donc chère sœur, ne sois pas privée de ce mois à cause des occupations de maison. Tu te prives alors de l'ilat al-qadr parfois, car tu es occupée à la maison et dans ton foyer, alors que l'ilat al-qadr est meilleur que mille mois, et Allah seul connaît le moment précis de cette nuit. Donc chère sœur, ne gâche pas ce mois, et plus particulièrement, les dix dernières nuits en les passant à dormir. À l'occasion, je conseille également mes frères, ceux qui sont maris, qu'ils ne demandent pas trop d'efforts à leurs épouses pendant le mois de Ramadan, car cela est cause de fatigue. Et qui dit fatigue dit repos. Et le mois de Ramadan, comme vous le savez tous, n'est pas le mois du, du repos, mais à l'inverse, c'est le mois de l'effort dans l'adoration pour les musulmans comme pour les musulmanes. Donc ma soeur, ce mois de Ramadan est aussi le mois du pardon et de la réconciliation. Le mois où on doit oublier le passé. Une mois, c'est le mois où l'on doit oublier le passé. C'est le mois où l'on efface l'ardoise des disputes et on se rapproche des autres. Donc tu pardonnes à ton mari les erreurs qu'il a pu faire. Tu pardonnes à ta voisine. Les erreurs qu'elle a pu faire, tu te réconcilies avec tes parents, avec tes frères et sœurs et avec tout le monde, car le mois de Ramadan est le mois du pardon. Chers sœurs également, sache que le mois de Ramadan n'est pas le mois des séries télévisées, ce n'est pas le mois des films, ce n'est pas le mois où on reste toute la journée sur Internet. Là, ce mois est le mois de la lecture du Coran, c'est le mois du zikr, c'est le mois du tarawih, c'est le mois de la méditation sur le Coran al-Karim, c'est le mois de la visite. Et toutes ces choses-là, malheureusement, te font perdre un temps immense que tu pourrais consacrer dans l'obéissance. Chère sœur, même lorsque tu es pendant ce mois indisposé quelques jours et que tu ne pries pas et ne jeûnes pas, sache que tu dois profiter de tous les autres actes pieux que l'on peut accomplir pendant le mois de Ramadan. Tu peux faire du zikr, tu peux réciter ce que tu as mémorisé, du Coran, sans toucher le quran Tu peux faire des sadaqas Et bien d'autres bonnes actions Le fait que tu ne jeûnes pas et ne prie pas Ne doit en aucun cas t'empêcher d'œuvrer Sache, chère sœur Que les femmes à l'époque du prophète wa sallam, Et ces femmes sont notre exemple à tous Ces femmes se surpassaient pendant le ramadan Aïcha, l'épouse du prophète, la mère des croyants Nous dit que le prophète Sallallahu faisait la retraite pieuse pendant les dix dernières nuits. Donc il restait à la mosquée wa sallam, pendant les dix dernières nuits sans en sortir. Et ceci jusqu'à sa mort. Chaque année, il faisait cela. Et puis, ses épouses ont continué à faire cela après sa mort, wa sallam, ce qui prouve donc l'engouement des femmes à l'époque du prophète wa sallam, pour suivre la sunna et pour l'adoration. Les femmes à l'époque du prophète wa sallam, ne supportaient pas de ne pas progresser dans leur religion. Abou Saïd el-Khodri il rapporte que une femme va trouver le prophète wa sallam, et lui demanda en disant « Ya Rasulallah, ô oh prophète, al -rijel. les hommes entendent tes paroles tout le temps, accorde-nous donc un seul jour pendant la semaine au cours duquel nous viendrions te voir afin que tu nous enseignes ce qu'Allah t'a enseigné. Regardez comment les femmes n'ont pas supporté de voir que les, les hommes étaient plus proches du prophète qu'elles. Et elles ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa qu'il leur consacre un jour pendant lequel elles apprendraient le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pourquoi les femmes d'aujourd'hui acceptent-elles que les hommes les dépassent religieusement Les femmes ne sont-elles pas Légales de l'homme en termes d'adoration Les femmes peuvent souvent dépasser les hommes dans l'adoration. Donc il ne faut pas ma sœur que tu sous-estimes tes forces et tes capacités dans l'adoration. Et sache également que ton impact dans tes adorations est immense. Lorsque tu es mère, tu es l'exemple et le modèle qui construit les générations futures. Et lorsque tu es épouse, tu es le repère et le repos de ton époux. Même lorsqu'il est distrait, sa femme est censée le rappeler. Et l'homme retrouve à ses côtés euh, la stabilité et le rappel d'Allah Et lorsque tu es une sœur dans une famille, tu es la pionnière et le modèle pour tes frères. Insha Allah, Ta'ala. Donc ceci euh, était quelques conseils pour toi, ma sœur, afin que tu passes Insha un bon Ramadan. Je demande à Allah Azzawajal, de préserver nos sœurs musulmanes ainsi que nos frères pendant ce mois béni et pour le reste de leur vie. والله أعلم. sur وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون